Déterminez la pente de la droite qui passe par les points de coordonnées 4, 2 et moins 3, 16. Alors, juste pour rappel de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, la pente d'une droite, c'est donné par la formule variation en y sur variation en x. Ce symbole ici, c'est le delta de l'alphabet grec, qui est une abréviation pour le mot variation. Donc c'est la variation de y divisée par la variation de x. Ou encore parfois, tu peux trouver cette formule sous la forme petit a, ou même parfois petit m, ça dépend, est égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Ça, ça a l'air plus compliqué, mais en fait, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on a au numérateur ici? Eh bien, on a y2 moins y1. Ça représente une variation de y, c'est-à-dire de combien d'unités de y on se déplace de notre point de départ pour arriver à notre point d'arrivée. Et ce qu'on fait pour trouver ça, eh bien, c'est qu'on soustrait l'ordonnée de notre point de départ à l'ordonnée de notre point d'arrivée. Même chose au dénominateur, mais pour les x cette fois. Pour trouver de combien d'unités de x on se déplace pour passer de notre point de départ à notre point d'arrivée, eh bien on soustrait x, l'abscisse de notre point de départ, à l'abscisse de notre point d'arrivée. Alors dans notre exemple ici, eh bien on pourrait partir de ce point, calculer la pente et arriver à ce point, ou faire exactement l'inverse, ça reviendrait à la même chose. Alors on va faire les deux, mais d'abord on va commencer par dire que notre point de départ c'est le point 4, 2, et que notre point d'arrivée, c'est le point moins 3, 16. Alors, quelle est la variation de x d'abord? Eh bien, x passe de 4 à moins 3. Donc, x diminue d'abord de 4 pour arriver à 0 et de 3 pour arriver à moins 3. Ça fait donc une variation de moins 7. X diminue de moins 7 entre 4 et moins 3. Alors, ici, tu remarques qu'implicitement, j'utilise cette formule-ci, hein, puisque la variation de x ici, eh bien, c'est le x du point d'arrivée, c'est-à-dire moins 3, le x du point d'arrivée, auquel on soustrait eh bien, le x du point de départ, qui est ici 4. Et moins 3 moins 4, eh bien, ça fait bien moins 7. La variation de x est donc moins 7 entre 4 et moins 3. Or, pour le y maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe de 2 à 16. Donc, la variation en y, c'est donc le y du point d'arrivée, 16 moins le y du point de départ, 2. 16 moins 2, ça fait 14. La variation en y, c'est donc 14. Quand on passe de 2 à 16, ça veut dire qu'on est monté de 14, qu'on a augmenté de 14. Alors, quelle est la pente maintenant? Eh bien, la pente, c'est la variation de y divisée par la variation de x. On vient de trouver que la variation de y, c'est 14. Et la variation de x, eh bien, c'est moins 7. Moins 7. 14 sur moins 7, ça se simplifie, ça fait moins 2. La pente de cette droite est donc moins 2. Alors maintenant, je vais te montrer que si on était parti du point moins 3, 16, pour arriver au point 4, 2, eh bien, on serait arrivé au même résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, pour les x, on passe de moins 3 à 4. Eh bien, cette fois, c'est une augmentation de 7. C'est une variation de plus 7. X varie de plus 7. Notre point d'arrivée, c'est 4. Si on lui soustrait le x à l'arrivée, c'est 4. Le x au départ, c'est moins 3. Si on soustrait le x du départ au x à l'arrivée, on a donc 4 moins moins 3. 4 moins moins 3, c'est 4 plus 3. 4 plus 3, ça fait bien 7. Les y maintenant, eh bien, on passe de 16 à 2. Y diminue donc de 14, ou encore 2 moins 16, ça fait moins 14. Donc une variation de y de moins 14, puisqu'on a diminué de 14. Et donc la pente ici, la pente de la droite, c'est donnée par la variation de y divisée par la variation de x. La variation de y, moins 14, sur la variation de x, 7. Et là encore, ça se simplifie. Moins 14 divisé par 7, ça fait moins 2. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé juste avant. Alors, je veux te rappeler ici que la pente d'une droite, c'est aussi le taux de variation de y par rapport à x. C'est-à-dire, ça nous donne la variation de y quand x varie de une unité. Alors, à quoi ça ressemble tout ça? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner rapidement un graphique, ici avec l'axe des x et ici l'axe des y.
Et donc, tu sais probablement que pour dessiner une droite, il suffit que je place deux points. Donc, mon premier point ici, 4, 2. Donc, on est à 4 sur l'axe des abscisses. 3, 4. Et on est à 2 sur l'axe des ordonnées. 1, 2. Donc, notre premier point ici, c'est celui-ci, le point 4, 2. Notre deuxième point est à moins 3 sur l'axe des abscisses. 1, 2, 3. Et à plus 16 sur l'axe des ordonnées. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Notre deuxième point est environ par ici. Point moins 3, 16. Et donc la droite qui relie ces deux points, elle a à peu près cette allure-là, hein. C'est une droite décroissante. Ça veut dire qu'elle va vers le bas, que plus x augmente, et bien plus y diminue. Et donc juste pour visualiser ce qui se passe avec la pente, eh bien, quand on partait de 4, 2 et qu'on arrivait à moins 3, 16, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on avait d'abord une variation de x de moins 7. Ça veut dire qu'on s'est déplacé de 7 vers la gauche par rapport à l'axe des x. Et ensuite, on avait une variation de y de 14. Ça veut dire qu'on est monté de 14. Et on arrive bien au point moins 3, 16. Ensuite, quand on est parti de ce point pour arriver à ce point, qu'est-ce qu'on a fait? On avait d'abord une variation de x de 7, ça veut dire qu'on se déplaçait de 7 vers la droite, et ensuite, on avait une variation de y de moins 14, ça veut dire qu'on descendait de 14 vers le bas, et on arrive bien à notre point 4, 2. Donc, dans tous les cas, on a trouvé la même pente de moins 2, ça veut dire que quand x varie de 1, y varie de moins 2.